vous regardez RTL. Vous avez l'habitude de porter deux gros revolvers et une machette, qui était un outil agricole, qui lui servait aussi bien à corriger ses enfants qu'à battre ses femmes, ou à faire sauter une tête quand il en avait envie. Pablo Escobar ? Pablo Escobar, non. Est-ce qu'il est mexicain ? Oui. Ah oui, ah, oui, je vous mets sur la voie. Alors le Mexique. Si, attends. Tout à l'heure, tu lui disais la France. Non, mais tout à l'heure, j'ai dit Garibaldi. Le Mexique, normalement, tu maîtrises. Ah oui, Zapata dit... Qui a dit Zapata en premier? Oui. Eh bien, c'est le général Zapata. Bonne réponse. Ah oui. De Philippe Manœuvre. Non, mais attends. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque lo quiere, marihuana que fumar. Manifestement, elle connaît plus Achille que le général. Non, mais le Zapata, bien sûr. Achille Zapata, oui. Mais viva devant Zapata, ça le fait mais, pas. Mais en plus, le général Zapata, bon, le général Zapata, il se reposer au pied des Ahuehuetels. Des quoi? Les Ahuehuetels. C'était j'ai l'impression c'était... qu'elle en a fumé de la Ahuehuetels. C'était les becs mexicains. Les Ahuehuetels. C'est des apéritifs. Redonne-moi des Ahuehuetels. Eh bien, c'est j'ai jamais bien digéré. Ce sont des très, très gros arbres. Avec les séquoias, c'est les plus gros arbres de la planète. Et l'Ahuehuetel, bon. Et alors, sa patte a se coucher justement, se coucher au pied des Ahuehuetels. C'était pas là au Mexique, ça devait non, mais c'était la révolution, tu ne te rends pas compte. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas non plus le paradis. Au Mexique ? Ah oui. Ah, c'est vrai. Enfin, je n'ai pas la science d'Ariel. Non, mais c'est vrai que ce n'est ça, plus c'est une un vache paradis. Signée Christine. Christine, c'est vrai que ce n'est plus un paradis parce qu'on vous tue pour un oui, pour un non. Et surtout les femmes. Oh oui, les femmes, les hommes, tout, parce que c'est le cuartel. Pardon, on n'a pas entendu le cuartel. Al cuartel. Claro, al cuartel. Oye, por favor. El cuartel. Au moment où Ariel, vous ne l'avez pas sous les yeux, vous. Mais au moment où elle dit al cuartel, on a le chapeau, machin. On a tout. On est au Mexique. On est dans deux secondes, on est la musique. Mieux vaut mourir debout que vivre toute une vie à genoux. C'est joli comme devise. Oui, c'est un vrai révolutionnaire. Et vous, Stéphane, ce sera écrit quoi? Alors, moi, je pense toujours à vendre. Toujours à vendre, problème électrique. Net vendeur. Problème électrique. Et vous, Ariel, vous y avez pensé? Moi, oui, j'ai pensé, je vais copier un truc qui est Cocteau. Mes amis, faites semblant de pleurer car je fais semblant de mourir. Oh, c'est joli. C'est joli, mais c'est copié. Oui. Ben oui, mais c'est joli. C'est joli.